Bonjour à tous, on va au Bois de Boulogne ce dimanche pour jouer au Quinté Plus à Longchamp. Ce sont les 30 ans du Quinté Plus. Alors c'est un jeu qui ne m'a jamais vraiment emballé, contrairement au tiercé, parce que vous le savez, en 1954, André Carreau a bouleversé les mœurs françaises en inventant ce jeu à 3 chevaux. Et ce rendez-vous du dimanche au bistrot du coin était un détour obligatoire après la sortie de l'église. C'était un petit peu l'habitude des Français dans les années 60. Et malheureusement, en 30 ans, le Quinté n'a jamais pu gagner autant de notoriété et autant de popularité. C'est pour ça que souvent, je vous invite à jouer plus au tiercé qu'au Quinté, parce qu'il est plus facile de toucher le tiercé que le Quinté. Alors, le mois de septembre ne ressemble pas au mois d'août, heureusement pour nous et pour moi, puisque la forme est là en ce mois de septembre. Je vous ai donné le quarté de vendredi soir et ce samedi, le tiercé, quarté, quinté. J'aurais pu mettre de l'ordre. Vous voyez, je vous ai appris à écouter votre petite voix. Quand j'ai vu les partants de ce samedi, je me suis dit c'est un mâle et c'est Frisbee qui devrait gagner. Et puis quand j'ai vu qu'il n'était pas déféré, que l'entraîneur visait, semble-t-il, une plus grosse course après, je me suis dit, bon, s'il garde chaussée, je vais le mettre derrière Bazir, alors que j'aurais dû écouter ma petite voix. C'est pour ça que je vous dis, écoutez votre petite voix, parce qu'après, vous êtes des regrets, parce que là, j'aurais dû vous donner dans l'ordre, alors que je vous donne le désordre. Bon, je vais essayer de faire aussi bien. Alors, attention, les quintés du dimanche, que cela soit à Longchamp ou à Auteuil, ce sont des quintés pièges. Il y a toujours de grosses surprises le dimanche. C'est comme ça, parce que c'est un peu des quintés visés. Ce sont des épreuves un peu prestigieuses le dimanche. Donc, on se fait beau, on s'habille bien. Et puis, des fois, la messe est dite pour les favoris parce que le tocard s'était préparé sans le dire. Alors, j'ai essayé d'aller à la pêche au tocard et j'ai quelques belles cotes dans ma sélection. Mais vous le savez, la dernière fois, je vous l'ai dit, le handicapeur a décidé de donner son quintet à Villaroux, le numéro 16. Il a failli me donner raison la dernière fois, mais deuxième, ça fait deux fois qu'il finit deuxième. À ce point-là, il doit gagner, donc c'est une base. Je pense que maintenant, allez, c'est bon, c'est ton jour, Villaroux. À toi d'en profiter. Et puis, en deuxième position, tout de suite, Vouetreuf, le numéro 15, c'est mon coup de cœur. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que d'une part, vous savez que je suis de très près de Muro, ce jockey qui est deuxième, qui pointe en deuxième position du championnat de France des jockeys, derrière Boudot. Et Villaroux est monté par Boudot. Et si de Muro veut garder le contact et dans l'espoir peut-être en fin de saison de passer devant Boudot, il a à tout prix besoin de prendre des points ce dimanche, parce que sinon après ses râpés, il ne verra plus la tête du classement. Donc c'est pour ça que je le mets en coup de cœur à 13 contre 1. Imaginez que Demuro, la dernière fois sur le sable, est descendu de cheval en disant ben, « L'animal vient de bien courir dans le quinté référence, mais je pense qu'il sera encore meilleur sur le gazon. » C'est du gazon cette fois. Il sera encore meilleur sur du gazon. Il est lâché au poids lui aussi. Ça va faire mal. Et du 13 contre 1, à vous d'en profiter. Et puis après, Dehé, l'entraîneur qui se révèle dans les quintés, en présente deux, Chastelet et puis Calaconta. Alors, j'ai bien regardé la course de Chastelet la dernière fois. C'est un cheval que je connais très très bien, qui, à mon sens, avait depuis Bellurette montré ses limites, qu'il n'avait pas la pointure des quintés. Et puis l'autre fois, j'ai pas reconnu le cheval. Il est venu pour le faire et puis il a redonné sur la fin un deuxième coup de rein, signe d'un très très bon cheval. Il a fait d'énormes progrès. Mais là, je me dis, le Chastelet que je connais, il a pris 4 kilos sur le dos dans la course référence. Il rentre cette fois 4 kilos de plus à tous les chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. C'est dur. Alors, je me dis, Jean-Marc, je préfère mettre l'autre de l'entraînement, le 13 Calaconta. Calaconta qui est annoncé, tenez-vous bien, à 27 contre 1. Elle a gagné aussi son quintet, mais elle est mieux placée au poids. Elle a un an de moins. Elle a 4 ans. Eh bien, je pense que c'est elle qui va faire la différence, surtout que je sais qu'elle est dans sa robe de mariée à l'écurie. Donc attention, il y aura un 2 à l'arrivée et je pense que ce sera plus ce numéro 13. Vous voyez, de belles cotes, c'est du 27 contre 1. Je vais à la pêche au gros, hein. Et vous m'en direz des nouvelles, je sais qu'elle est au top, ce numéro 13. Il va vous porter bonheur, ce numéro 13. Et puis, je vous remercie d'être fidèle, vous me suivez fidèlement. Donc, vous me connaissez maintenant et vous savez que Jean-Marc, des fois, pas tout le temps,
Il se fait appeler par un cheval à la lecture des partants. Bah là, bingo, il y en a un qui m'a appelé tout de suite. C'est le parrain, le numéro 10. Et quand je me suis plongé un peu plus, il m'a attiré de plus en plus parce que c'est Maxime Guyon qui le pilote. Et vous le savez, je suis un fan de Maxime Guyon. Donc, un, il m'appelle. Deux, c'est Guyon. Et troisièmement, écoutez sa musique. Il est deuxième, huitième, premier, deuxième, premier, deuxième. Alors, c'est vrai qu'il monte de catégorie, mais le parrain, il faut le mettre. Voilà, je sens bien. À vous de me suivre ou pas, mais en tout cas, moi, je vous dis, ce que j'ai sur le cœur, je le sens, cet animal. Le parrain, il ne va pas taper loin. Et puis, l'autre base, après Villaro, parce que c'est compliqué, et je sais que vous avez besoin de vous appuyer sur des bases, la première, c'est Villaro, la deuxième, c'est son compagnon d'entraînement, c'est El Magnifico. Rappelez-vous, la dernière fois, j'étais le seul journaliste, alors qu'il était favori, à tirer la sonnette d'alarme, en disant « David Smaga fait tout pour que son cheval déçoive ». Il le ramenait sur 1600 mètres, qui n'est absolument pas sa distance, la surface, il n'avait rien pour lui, le cheval. Et résultat, il n'a pas fait l'arrivée. Maintenant, l'animal revient sur sa distance de prédilection, sur une piste qu'il aime bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette fois, il va faire l'arrivée. Donc, El Magnifico, il va être El Magnifico sur le poteau. On le rachète et vous pouvez le prendre en base. Alors, ces bases, bien entendu, ce sont des bases au quintet. Parce que les places vont être chères, les 2 et 3e places vont être chères. On a l'impression souvent que le tocard, il ne veut pas finir 4e et 5e. Il veut à tout prix finir 2e ou 3e pour casser tous les jeux de combinaison. C'est toujours comme ça. Le tocard est toujours 2e, 3e, juste pour nous embêter, pour rester poli. Et puis, vous voulez du tocard? Eh bien, le 2, égo danseur, c'est du pasquier à 17 contre 1. Ben alors, on va faire de la brioche avec lui, hein. Le cheval a déçu dernièrement, mais il n'a pas aimé la piste, c'était pas son jour. La pouliche a repris de la superbe à l'écurie, l'entraîneur est confiant et Pasquier va se venger. Voilà le numéro 2 du Pasquier. Un dimanche, vous le savez qu'il y a 15 jours, il a passé son week-end à gagner les quintets. Eh bien, reprenez Pasquier, ça va payer avec Pasquier. Je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis, il y a un cheval qui se révèle dans les quintets. Je l'aime bien, je le surveille depuis 2-3 fois et il me plaît à chaque fois. Alors, il montre un petit peu qu'il a un tout petit peu limite, mais je pense qu'avec quelques progrès, il pourrait gagner son tiercé avant la fin de l'année. C'est le 8 Malo. On peut le glisser dans vos jeux de combinaison. Et puis après, j'ai passé mon samedi après-midi à me dire est-ce que je mets Octo King, est-ce que je mets Prestige Vendôme avec Soumillon. Un coup, je me suis dit, Soumillon nous a remboursé un peu puisqu'il a gagné avec Fun Legend. Enfin, Soumillon qui gagne son quintet. Et puis, je sais que vous êtes nombreux à ne plus vouloir jouer Soumillon dans les quintets parce que souvent, il est gros favori et souvent, il n'est pas à l'arrivée et cela vous déçoit. Donc, je vous écoute. Je me suis dit, tiens, Jean-Marc, écoute tes internautes. Je me range dans vos rangs. Et surtout, Octo King, l'autre fois, je l'avais oublié sur mon ticket, c'est un joli grisou. Pendant toute la course, j'ai vu Octo King, Octo King. Je me suis dit non, non d'un chien, il ne faut pas qu'il finisse à l'arrivée. Et j'ai vécu un cauchemar pendant toute la course. Je ne voyais dans mes jumelles que Octo King, ce joli grisou. Donc je me suis dit, en final, Jean-Marc, je ne veux pas vivre deux cauchemars coup sur coup. Surtout que le cheval, depuis, a été gardé pour cet engagement. Son entraîneur l'a mis dans du coton. Il l'a affûté pour qu'il répète. Ils sont ambitieux. Donc je me suis dit, Jean-Marc ne fait pas deux fois de suite la même bêtise avec ce numéro 3. Alors oui, Bagel, le 4, je ne l'ai pas mis. Alors c'est un cheval que j'estimais beaucoup, 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 qui a démontré beaucoup de qualité. Mais regardez, excusez-moi, mais ses performances cette année, elles ne sont pas géniales. Il vient de finir 6e à Deauville. Bon, Chantilly, il est écrasé d'argent. Il est 11e le 16 juin, écrasé d'argent, pas là. Et puis à Saint-Cloud, bon, le 27 mai, il est là. Et puis à Paris-Longchamp, sur cette même piste, le 4 mai, il n'est pas là. Donc cette année, autant l'année dernière, il me plaisait, il était tout le temps dans ma sélection, autant cette année, je demande à le revoir. J'ai envie que Bagel me remonte qu'il est un bon cheval. Cette année, il ne m'a pas convaincu. Je n'ai pas pu mettre Bidadieu, qui était ma trouvaille du printemps. Il m'a un peu déçu la dernière fois, mais je crois qu'il n'aime pas le sable. Il revient sur le gazon. Attention à lui.
Je n'ai pas mis Pascal Chadeur parce qu'il est tout le temps chuchoté, il est jamais à l'arrivée dans les quintés. Je n'ai donc pas mis Prestige Vendôme, mais le cheval est régulier, l'entraîneur est redoutable. Vous le voyez, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Et puis Pellier avec King Platine, le 7, a une chance. Hein, son entraîneuse, entre guillemets, est chaude, elle est confiante. Sans plaisanter, elle est vraiment confiante et on sent que l'animal peut se racheter. N'oubliez pas que c'est le seul qui a couru au niveau groupe cette année, donc du 50 contre 1 pour un cheval qui a été testé en groupe cette année, ça veut dire qu'il y a de l'estime. Vous l'avez vu, vous le comprenez, c'est encore une fois un casse-tête chinois, vous avez compris pourquoi je vous alerte. Quintet difficile, donc jouez peu et bien, jouez un cheval, jouez couplé, jouez 2 sur 4, mais ne vous ruinez pas. Bonne chance et bon dimanche et bonne fête au Quintet.